Yo la S3 Family, n'oublie pas de mettre ton petit like à la fin de cette vidéo et aussi rejoins-nous sur notre nouvelle chaîne Twitch S3 Freestyle et notre nouvelle chaîne YouTube S3 Gaming. Attendez, on me dit dans l'oreillette que du 19 au 24 décembre, il y aura une boutique éphémère Urban Ball dans la région parisienne. Toutes les infos sont dans la description. A plus. Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, c'est le Crossbar Street League épisode 2. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'épisode présent, la team S3 Foot a gagné. Faites un maximum de... Aujourd'hui, ils vont avoir leur revanche. Pour cette vidéo, même principe, même concept, sauf que les équipes sont différentes. On a la team S3 Basket. Face à la team Bad Trip. Et derrière la caméra, on a Hakim. C'est des bâtards, Hakim, c'est des bâtards. T'as vu, j'essaie de te big up. Et on commence par ce premier challenge, c'est la mort subite. Vous êtes prêts, les gars? Yeah! Je fais du yoga, moi! Moi, je suis ceinture noire de yoga, ok? Et ils vont voir basket, foot, la précision, c'est la même, frère. La même, regarde bien. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Premier essai, Bad Trip, on est bon. Regarde. Victoire du S3 Basket. Bien joué. On peut les applaudir. C'est un peu comme d'hab. Moi, je suis pas là pour me vanter, mais c'est un peu comme d'hab. On passe tout de suite au second défi. Comme on vous l'a dit, le concept reste le même. 5 essais chacun. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit joker, un par équipe. C'est parti. Allez, Timo. Oui. Ouais, voilà, voilà, on t'a dit. La petite kiss. Apparemment, je dois rentrer une barre. Vas-y, 1-0, deuxième tir. Ouais. Allez, allez, allez. Bon bah, joker. Du coup, on reprend de 1 à 14, sauf le 4 et le 8. Yes. Ok, alright. T'es capté? On est en plein. Alors le 3. Le numéro 3 pour la S3, s'il vous plaît. Oh, oh, ça vous cherche. Oh, une réplique. Attends, arrêtez de nous charrier. Et donc, le troisième défi, c'est... Tirer en sit down. Il est trop chaud. Dans les coulisses. De toute façon, quand j'annonce, moi, y a pas de doute, frère. La deuxième. Donc les gars, vous devez choisir un numéro entre 1 et 14, sauf le 3, le 4 et le 8. Merci, vous avez suivi. Donnez-nous le point. Bonjour Jean-Pierre. C'est parti. Est-ce que j'ai le droit d'en appeler un ami? Oui, vous avez le droit d'en appeler un ami. Je pars sur le numéro 7. C'est 10. C'est le 7. Je ne... J'aurais pas dit mieux. C'est le 10 penalty. Hein? Le Divi Cross. Attendez, 2-1 pour l'équipe Bad Trip.
On a gagné la première manche, tu veux me rappeler? Ils ont gagné la première manche, mais du coup ils sont en face de perdre cette deuxième manche. Rien n'est joué, monsieur l'arbitre. On part sur ce quatrième essai. Tant qu'on n'a pas sifflé la dernière seconde. Il y avait de l'envie. Écoutez-moi bien tous, c'est le tir de la dernière chance. S'il la met, ils reviennent à égalité. Bon, dernier essai. Si je marque, j'égalise. Bah, si je marque pas, il gagne. And the winner is. Bad trip. Oh. Bien joué. Make some noise, yo. Je tiens à rappeler que on est trois dans notre équipe. Ah, nous aussi, deux basketteurs, deux basketteurs aussi. Et un footeux. C'est seulement le footeux qui a pas encore rentré une barre. Non mais moi, de base vous le savez pas, mais je fais du basket aussi. Frère, hey, championnat de France 2000 quoi. C'était pas nul. Il avait gagné. Champion de France 2000, je sais pas plus combien, tu vois. Je suis déçu de mes acolytes. Franchement, si je pouvais me barrer tout de suite, je le ferais parce que là, je trouve ça. L'heure est grave. Un partout. Égalisation de la team batterie. Tout va se jouer sur la finale. Non, sur le dernier défi. Qu'on peut appeler le dernier la défi. La finale. Les B-Boys, la team Batrip, doivent faire un geste de break et mettre une crossbar en même temps. Tandis que la team S3 Basket. La team S3 Basket, ils doivent faire la même chose mais avec un skills de basket avant et tirer directement. C'est ça ou pas? Au pied. Au pied, effectivement. MC Guardian Nana, on va voir qu'est-ce que ça donne. Putain! Le move était bien, le move, tu vois, essaye de le faire, va. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back, cause I'm brown. Ok, Olivier, attends, on a kiffé. Allez, on va voir. Bon bah ça fait un point pour la team Batrip, il en reste encore deux essais. Quatrième essai, on y va. Joker. Ça va pas, c'est pas fair play. Permettre, c'est pas membre de la team S3, du coup on se dédouane. Ok, donc il y a 1-0 pour la team Batrip, ils ont fait un trick de folie, ils ont marqué. Mais là, c'est autour de la team S3 Basket. Eh, vous êtes chaud S3 Basket? Moi, je crois qu'ils sont chauds. Alright, you ready? Je sais absolument pas faire de skills. Moi je suis absolument nul. Du coup je vais faire ce que je connais au basket hein. Je vais pick up, crossover. Pick up, crossover, ok. Ouais, bah, pick up, mieux que crossover. Direct à haut. La barre la plus drôle, c'est la barre de la valise. On aurait dit un but de cigare. Une spéciale, il a mis un kebab sans steak ni maillot. Moi je vais essayer un slip and slide reprise de volée avec une main au sol en mode brickety full keep it down. Approche-toi encore un peu plus. Le dernier essai encore une fois. Putain, ça va être chaud mon gars. Ok, égalité, on part en mort subite. On commence avec Batrip. On est les champions. 8 ans que j'attends ce moment. C'est pas battu les gars. Mon père a été champion du monde en 98. J'attendais de vivre de mes propres yeux. Aujourd'hui c'est fait.
Prenez vous si au moins je ne peux pas contrôler. Non, c'est bon, coupez la caméra. Mesdames et messieurs, la vidéo touche bientôt à sa fin. Donc déjà, big up à la team Batrip. Big up à la team S3 qui a gagné et qui va nous faire un petit freestyle. Let's go. Ça veut dire Batrip, c'est deux matchs de défaite, c'est Dijon. J'aurais dit Arles. Arles-Avignon. Guingamp. Istres. Saint-Quentin-sur-Saône. Monaco. Batrip qui nous a fait le plaisir d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à préciser quand même que dans le défi, tiens, on va y faire un move. Ouais. Ils ont fait des moves de ouf. Ouais, bah, franchement, il y en a qui m'ont choqué. Et le comité a voté pour The Crossbar of the Month. Il est décerné à Eddy. Il a mis le crossbar le plus surprenant. Ah, c'est le crossbar petit. C'est le seul crossbar qui a mis du suspense. Franchement, même temps que le shoot au basket, tu vois. La semaine prochaine, n'oubliez pas, grande finale, on peut dire. Team S3. Team S3 basket avec, oh, avec des mecs là. Ouais, face à la team S3 foot. Oh, enfin bref, rendez-vous semaine prochaine, ça veut dire dans une semaine. Jours. Exactement, ils ont été à l'école. Et d'ici là, mesdames et messieurs, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager.